Aujourd'hui, mesdames, au Gym de la Peau, on reçoit une des rockstars les plus hot du Québec. Elle est présentement en train de recevoir un soin laser, on s'en va sur prof. Hey, Jonas, ça va? Ça va bien, Marilyn, toi? Oh, comment était ton traitement? C'était super, c'était en fait plaisant. Ouais, oh oui, c'était beaucoup moins douloureux que je pensais. C'était vite aussi. Ça m'a pris 15 minutes pour le traitement. Avec Dr. Nguyen, toute douce. Et toute douce, oui. Dr. Lan était super gentil. Puis il y avait beaucoup de trust. Ouais. Les yeux fermés, un laser sur la face, ça prend du trust. Ça prend de la confiance. Ça prend de la confiance, oui. T'étais alors concerné avec ça, toi, la rosacée, parce que ouais, ça sortait à différents moments. Oui, ça fait à peu près un an que, surtout après un show, la plage, un entraînement, ça sortait, puis c'était pas confortable non plus. Alors, surtout sur les photos, dans le miroir, c'était toujours là, puis j'ai commencé à demander les gens, je m'informais un peu, puis les réponses étaient pas mal négatives. Surtout, un dermatologue m'a dit qu'il n'y avait vraiment rien à faire. Très peu de produits et un dermato qui n'a pas de laser, souvent, il ne sait même pas à quel point on peut avoir des bons résultats. Et voilà. Mm. Alors, j'ai parlé avec quelques amis, Annie Soleil. Ouais. Puis, et aussi, il y avait quelques maquilleuses aussi qui me parlaient de ça. Alors, l'introduction a été faite. Moi, et voilà, enter Marilyn dans ma vie. Merci, Annie Soleil Proto, pour cette rencontre. Alors, on va te voir 2-3 fois pour faire le même type de traitement. OK. À l'espace d'un mois, puis on va vraiment aller fermer toutes les petites portes pour que ton teint soit toujours bien égal, puis on va te revoir une fois par année pour maintenir ça. Super. Et voilà. Donc là, on est vendredi, le traitement était plus rapide qu'on pensait. On pourrait se faire un petit happy hour. 5 à 7. On fait un petit 5 à 7. Let's do it. Oh. Hey, belle shot quand même. Belle shot, mais il y en a partout. Rien qui a rentré. Donc, toi, Jonas, t'es on stage. Hein? T'as un rythme de vie assez effréné avec te coucher tard, voyager, tout ça. Est-ce que t'as un certain rituel beauté? Oui, en fait, je bois beaucoup d'eau. Je mange bien quand je suis pas en tournée. En tournée, c'est difficile de trouver les places. Le band aussi. Oui, exactement. Tout le monde a comme, you know, les différentes demandes. Mais honnêtement, c'est vraiment un cas de longévité. Moi, j'aimerais ça être le gars à 60-70 ans, you know, qui est en forme, puis avec un bon couleur, you know. Puis c'est pour ça que ça prend un balance. Puis j'espère que j'ai trouvé la balance. Et t'as commencé ce temps à avoir la conscience de dire « je vais prendre soin de moi, je vais vivre longtemps, en shape ». Ça fait probablement 10-12 ans. Quand j'ai rentré, pas nécessairement à 30 ans, mais un peu avant 30 ans, j'ai vu 30 ans, j'ai dit j'aimerais ça rentrer mes 30 ans en forme avec un rituel, si tu veux, un peu. Alors, j'ai commencé à faire du yoga. Je fais ça 3, 4, 5 fois par semaine. Je m'entraîne, je fais la course, I like to run. Alors, un peu de tout. À chaque jour, j'essaie de faire une heure d'activité. Oui, c'est très bon. Moi aussi, je cours 5 km par jour. 5 km par jour, c'est exactement ce que je fais. Tout le monde a 30-35 minutes dans sa journée. Oui, 35 minutes de ça, puis des bons stretchs après, surtout. Oui, c'est important, les stretchs. Yeah, n'oubliez pas les stretchs. Il faut encourager les hommes du Québec. Il n'y a pas plus viril que Jonas, fait que vous avez tous le droit de venir en clinique. Keep moisturized, bro. Right. Puis il paraît qu'on a une petite passion en commun. Ça a l'air que oui. Ouais, t'es musicienne. Ça. Mais très peu, là, en fait. Très peu. Rien comme toi, mais j'adore la musique. Je suis une fille de classic rock. Puis cool. Quand j'ai un peu le temps, je gratte la guitare. Chante un peu, ouais. Cool. Un petit peu des deux. You wanna jam? Don't stop breathing, pain is just a feeling. Make it one more reason why your heart is beating on the outside. On the outside. Don't stop breathing, pain is just a feeling. Make it one more reason why your heart is beating on the outside. Yeah, yeah.